Bonjour, monsieur Jean-Paul Bédé. Bonjour. Le G7 s'est tenu à Biarritz ce week-end et on peut se poser la question de l'utilité de ces rencontres vu les désaccords qui se montrent à chaque fois. Il y a toujours des accords avant, après et un peu moins pendant. Pourquoi ? Il est extrêmement important que les gens se rencontrent physiquement, pas par téléphone, pas par Internet et autres, et qu'ils puissent discuter et se rapprocher presque physiquement. Parce qu'à ce moment-là, quand ils sont physiquement proches, ils peuvent échanger mieux et voir entre eux leurs différences. Et leurs différences ne sont pas en fait si énormes que ça. Mais le problème que l'on voit, c'est qu'a priori, le G7, il manque des choses. Il manque la Russie, puisqu'elle n'est plus là. Il manquerait la Chine, au final. Est-ce que ce n'est pas le G20, maintenant, qui fait... Il y a l'un et l'autre. C'est-à-dire que le G20 traite des sujets assez généraux, globaux, tandis que le G7, aujourd'hui, ce sont les pays développés et démocratiques. G7. Et ce sont des pays aujourd'hui démocratiques qui auparavant étaient l'aile marchande du système économique, social, politique et démocratique qui aujourd'hui sont en difficulté parce qu'ils sont divisés. Donc je pense qu'il est extrêmement important que ce groupe se refasse, se reconstruise pour qu'il puisse ensuite avoir des influences sur le reste. Mais les dernières rencontres ont montré plus les divisions que la reconstruction. Il y a des divisions. On ne peut pas empêcher le fait que, par exemple, les États-Unis sont maris du fait que la Chine se développe et que leur place évidente est en train d'être contestée. Il y a également, à l'intérieur du système européen, des tensions à l'intérieur de l'Union européenne entre la France et l'Italie et dans l'Union européenne, entre l'Union européenne et Oui, justement, du coup, le Brexit s'est invité au G7, ce qui normalement n'a pas lieu d'être. Non, mais le Brexit s'est invité au G7 parce que vous ne pouvez pas empêcher que Boris Johnson en parle, tout simplement parce qu'il veut trouver des alliés, en particulier Trump, et il veut effectivement essayer de convaincre et éventuellement diviser entre Angela Merkel et puis Macron. Donc, vous avez ça, c'est humain. Mais en même temps, il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes qui divisent et il y a des problèmes qui, normalement, rassemblent. Les problèmes qui rassemblent, ce sont quand même les inégalités, ce sont quand même les changements climatiques, ce sont des éléments qui sont globaux. Changement climatique, il est à double... Le changement climatique, tout le monde n'est pas convaincu. Simplement, quand vous faites venir en même temps des personnes d'Afrique et même d'Inde qui voient comment elles en souffrent, ça devient en quelque sorte une preuve irréfutable. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui ne peuvent plus vivre dans les endroits où ils étaient. On voit bien que quand les températures sont à 50 degrés en Inde, on ne peut plus y exister. Donc vous voyez bien que le lien, par exemple, qui est en train de se poser entre migrants et changement climatique est un élément qui n'est pas uniquement théorique. Au contraire... Et donc ce G7 va faire bouger les choses ? Ce G7 ne fait jamais bouger les choses immédiatement. D'ailleurs, cette fois-ci, il est prévu qu'on n'ait pas une espèce de signature avec des accords plus ou moins formels. Si on est en désaccord, autant le dire. Mais il faut au moins discuter et débattre. Aujourd'hui, l'économie mondiale est en difficulté, en tension interne avec les deux grandes puissances du monde. Aujourd'hui, dans le G7, les puissances du monde proches des États-Unis se réunissent et peut-être lui peuvent dire aux États-Unis, voilà ce qui est en train de se passer et voilà les risques que nous avons sur l'ensemble, pour nous-mêmes et pour l'ensemble du monde. Et donc il y a des jeux politiques, il y a des jeux sur l'hégémonie mondiale qui se mettent en place, puisque le G7 ne peut plus dire qu'il a l'hégémonie mondiale, et bien entendu, ce n'est pas facile qu'il l'admette, en particulier que les États-Unis le reconnaissent. Symétriquement, il n'est pas évident non plus que la Chine accepte
d'avoir les responsabilités d'une hégémonie ou d'un bout d'hégémonie. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que quand vous êtes le reste... La Chine ne veut pas prendre sa place au Conseil des Nations. Absolument. Quand vous êtes la monnaie mondiale, quand vous êtes le pays mondial, quand vous êtes en quelque sorte le modèle, il faut que vous soyez un modèle économique, un modèle social, un modèle politique. Et donc, d'une certaine manière, les États-Unis, pendant des années, ont joué ce rôle plus ou moins bien, plus ou moins complètement. Ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, la Chine ne veut pas être, ne veut pas jouer ce rôle-là. Elle ne veut pas. Avec le second qui est dans l'ombre. Absolument. Et d'une certaine manière, elle en profite. Elle ne veut pas jouer, que, elle veut pas faire en sorte que sa monnaie devienne une monnaie mondiale. Elle ne veut pas faire que ses règles deviennent et s'étendent. Elle joue, en quelque sorte, le rôle du second en bénéficiant des difficultés qu'a le premier. Mais dans la vraie vie, c'est pas possible, parce que en fait, dans 10 ans ou dans 20 ans, le second deviendra le premier. Donc ce n'est pas possible de fonctionner comme si la Chine devait être éternellement seconde par rapport aux États-Unis, les États-Unis en difficulté et en inquiétude par rapport à ce second qui les inquiète. Et fondamentalement, on doit donc avoir un débat sur l'évolution du système économique et sa stabilité. Le mot fondamental, c'est le mot de stabilité. Est-ce qu'on a un monde qui est stable quand il y a des changements climatiques de cette ampleur? Non. Est-ce que l'on a un monde stable quand il y a des écarts de richesse de cette ampleur? Non. Et donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde de régler ces problèmes. Donc il vaut mieux, en tout cas, le reconnaître. Il vaut mieux reconnaître que nous avons une évolution qui, aujourd'hui, est en train de buter sur ces limites, qui sont les limites, en fait, de ces anciens succès. Les succès de croissance, aujourd'hui, fabriquent des problèmes, justement, de climat, ou fabriquent des problèmes d'égalité. Et donc, il vaut mieux dire, eh bien, écoutez, nous avons réussi une partie de notre trajectoire, et aujourd'hui, nous devons traiter le reste. Bien entendu, c'est compliqué. Bien entendu, c'est difficile. Bien entendu, chacun veut dire, ben, j'ai continué, je ne suis pas responsable du système. Mais en réalité, la question n'est pas de savoir qui est responsable. Il faut agir. Il faut agir ensemble. Parce que il est impossible que l'action de l'un suffise. On voit bien, par exemple, pour le problème du réchauffement climatique, ça n'est pas une action de l'un, quelle qu'elle soit, quelque importance qu'il soit, qui suffira. Tout simplement parce que si un dit, eh bien, moi j'accepte de moins polluer, par exemple, ses produits devaient être plus chers, et donc il perdrait en compétitivité par rapport à ceux qui ne le feraient pas. On voit bien qu'il faut des jeux plus coopératifs qu'avant pour avancer ensemble, parce que les problèmes sont des problèmes de tout le monde. Donc en réalité, le G7 actuel, me semble-t-il, a le courage de ne pas évacuer les questions qui fâchent. Et a le courage également de montrer que personne n'est propriétaire de la solution et qu'il faudra en discuter et le partager. Et en particulier, en discuter et le partager au prochain G20. C'est pour ça que le lien entre G7 et G20, à mon avis, est extrêmement important, même si ça n'est pas facile. Merci, M. Champlain. Merci. Thank you.